Salut à tous, on est à la Paris Games Week et l'IM a son propre stand et du coup on va aller rencontrer les étudiants et les responsables pour savoir de quoi il en est. Allez, c'est parti! Qui est le responsable pédagogique de l'axe jeux vidéo. Donc Thomas, qu'est-ce que ça représente pour l'IM d'être là à la Paris Games Week? La Paris Games Week, en fait, c'est le gros rendez-vous annuel du jeu vidéo en France. Donc c'est un événement extrêmement important parce que c'est là où tous les gros éditeurs et tous les acteurs du jeu vidéo sont là, donc Sony, Microsoft, Nintendo. Donc pour nous qui formons les étudiants au métier du jeu vidéo, c'est extrêmement important d'être là dans l'industrie du jeu vidéo et d'être présent à ce rendez-vous. Est-ce que sur le stand, on peut tester les projets des étudiants et quels sont-ils? Ouais, c'est une des spécificités du coup cette année, c'est qu'on propose en fait aux visiteurs de tester les jeux de nos étudiants, donc de nos différentes formations. Donc c'est les gros projets de fin d'études avec tous nos étudiants qui ont travaillé dessus pendant un an. Et donc du coup cette année on présente Elif, on présente Ellipse et on présente Impulsion, qui sont trois gros jeux faits par nos étudiants. Et du coup sur le stand, on a tous nos étudiants qui sont là pour présenter ça. Alors je suis avec Alicia et Amine en première et en deuxième année. Qu'est-ce que ça représente exactement pour vous le fait d'être là aujourd'hui à la Paris Games Week pour représenter l'IM? C'est super parce que du coup on a l'occasion en tant qu'élève de pouvoir parler de ce qu'on a vécu à travers l'école et tout. Super intéressant. Alors pour moi ça représente beaucoup de choses d'être ici à la Paris Games Week parce que c'est ici que j'avais découvert cette école en 2012, tout fraîchement sorti de la 6ème. C'était ici où un étudiant avait présenté l'IM et c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de cette école. Du coup depuis la 6ème j'ai préparé mon dossier de candidature pour être ici à l'IM. Pour moi c'est très symbolique du coup d'être ici à la Paris Games Week. Du coup comme on dit, ça y est, la boucle est bouclée. Déjà pour moi c'est une grande opportunité, c'est super sympa, on peut profiter un peu de la PGW. En étant étudiant en jeu vidéo, je suis content de montrer à tous ceux qui sont passionnés par le jeu vidéo, de montrer un peu l'école et qu'est-ce qu'on fait. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel est à la Paris Games Week et a pu tester du coup des jeux faits par les étudiants de l'IM, il a testé Elif. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, sachant que Elif est un jeu qui est fait pour les enfants justement? Alors c'était un jeu qui avait beaucoup de complexité. Il faut être assez intelligent pour trouver les réponses aux énigmes. Et aussi, il y a une micro-enquête, je dirais. Donc, c'est bien. Comme vous avez pu le voir, le stand de l'IM a attiré petits comme les grands pour tester les jeux vidéo proposés par les étudiants de l'IM. C'était une très belle édition de la Paris Games Week et nous, on se retrouve sûrement l'année prochaine. A plus !